Wow, salut les amis, on se retrouve une nouvelle fois dans ce saloon rempli de fumée de cigarettes et d'effluves d'alcool bon marché pour la suite du coup des aventures de Sunny au Far West. Pour rappel, on avait abattu lâchement un vieillard, mais un vieillard armé d'une grosse Gatling. Voilà, il avait une belle mitrailleuse avec ses mates qui balançaient des bâtons de dynamite. Eh oui, on lui a bien fait sa fête. Il est parti en maison de retraite. Il n'est pas prêt de sortir avec quelques balles au niveau des fesses. Du coup, on l'appelle fesses d'acier maintenant. Bref, on continue l'aventure. Donc normalement, là, avec ce qu'on a fait dans le dernier épisode, on a attiré l'attention du coup de ses deux comparses. Et il y en a un qui l'a un peu plus mal pris. Bon, c'est pas trop grave, il subira la même chose que papy. Allez, on est parti les amis! Ah, on va être dans une scierie. Oh, let's go. Oh oh! A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. Johnny Ringo. Ok, parvenir à la I Syrie, had bah elle est là, tracked ça y him est. and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. On voit personne là? Oh là, déception. On a que. Ah, bah voilà! J'ai un fusil! Je peux pas voir mes. Ah, d'accord. Donc attends. Genre si je fais ça et. Ah, avec la molette. Somebody's coming! So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Quoi? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. Ouh. But first, I need to tell you about Non? the cowboy's new Comment? boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Apparemment, y a... Putain, les gars. C'est beau quand même, hein. Vous avez vu l'eau? Ah, belle eau, hein. Alors, c'est en automne. Il pleut. Ou alors c'est juste. Non, il pleut. Ok. Oula, oui, il y a du monde. Wouah, mais je me suis fait mais rincer, là. Wow. Tu vas t'arrêter? 2 minutes, papy! Je reprends mon souffle. Il y en a un là. Hop là! Un en moins. Bim! Hop, longue distance! Bon, écoute. On va avancer, hein. Attends, il se barre là? Sérieux? Il se barre! Oula! Hop là! Hop là! Hop là! So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother. T'as cru que je t'avais pas vu, toi? J'ai ma concentration du Viking. Let's go! Hop là! Wyatt and Doc went on what became known as non, the non, 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 Vendetta non, non, ride, non, 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 hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Wouah, comment il vise bien lui! Viens là, il est où? Ça c'était pas gentil. Oula! Je t'ai vu toi. Wow! Ah non, mais je me la prends! Bah oui, je suis mort, bah oui. Tu m'étonnes. Par contre, ils sont nombreux, les mecs, hein. C'est. But first, I need to tell you about the cowboy's new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. On connaît. Quoi? Oh! Meurs! Mais.
Pousse, je recharge. Fisher. Non, tu pourras pas m'avoir, t'as le rocher. Ah, il a compris. Allez, montre-toi. Attends, c'est moi ou... Ils font n'importe quoi, là. Ah, ils font n'importe quoi, hein. Bugger le cow-boy. Hop là, deux pour le prix d'un et le troisième. Non mais t'es pas caché là. Bang. Ah merde. Voilà. Ah. J'ai plus de balles. Deux secondes. Deux minutes. Y'en a là-bas, là. Ah. J'ai encore mouru ici, c'est ça? Attends, y'a un trou là-bas, c'est pas possible! Il était à genoux. Ouais, j'ai un peu plus de mal sans viser, hein. Tiens, mange. Non, mais oh. Par contre, ils sont nombreux, les pépères, là. Je pensais être tranquille jusqu'à la Syrie, mais apparemment... Par contre... Oh. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. Oh! Level up! Alors, on va les prendre. Augmenter en concentration vos réflexes en fulgurant et vous déplacer et courir 50% plus vite en concentration. J'utilise quasiment pas. Et ça, c'est quoi ça? Arme légendaire déverrouillée, Ranger gravé. Genre j'ai... Oh, des balles de fusil. Hey, hey boy! Allez, monte-toi! Ah, à moins... Ils sont où les autres? Avant, après toi par contre pour ça. And that's what drove me forward. Ouais, alors par contre... Quoi? Il y a les Dalton en haut. 1, 2, 3. Ah, aïe, 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 ça pique. 1, et 2. Wouah, mais il est balèze, lui. Putain, et attends, oh, 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 il est dans sa phase où il a pris une balle, là, oh. Le jeu. Deux, un. Ouh. Ah. L'odeur de la balle fraîchement tirée. Trop bien. Et bang, bang, bang. Ah, 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 ah. C'est de la triche. Putain, j'essaie de faire le con, j'essaie de faire le malin un petit peu là, de me la péter, oui. Il m'en empêche. Oh, tu vas te la prendre, ta balle, oui. Merci. Herb wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That longer should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. Bon, et là, c'est un peu simple. But everybody knew that Curly shot him in the back. Quand t'arrêtes de tirer n'importe comment, ça va beaucoup mieux. Ouh, ouh. Well, maybe so. Ah. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Il est pas athée? Being loyal.
Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. J'aimerais bien prendre ça, mais c'est une carabine à canon scié, c'est... On va pas prendre. Parce que je le sens à moitié. Le truc, ça va être au cac. Ils vont encore tirer, ils vont faire tomber ça. Non ? Avant qu'il me nique. Je vous ai eu, bande de cons ! J'ai activé le piège avant vous ! Par contre, c'est normal qu'il n'y ait plus personne, là ? Ah ! Les toilettes sèches, mesdames et messieurs. Ils ont quand même pensé à mettre des toilettes sèches dans le jeu. Je dis ça, je dis rien. Quoi ? Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? Ouais, c'est bizarre. After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Bonne question. Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. What? Pourquoi pas? C'est... What? Ah. Munitions. Il est direct quand même, pépère, là. Par contre, du coup, là, on voit que dalle. Je vais quand même aller voir de ce côté, voir s'il n'y a pas un petit truc, on sait jamais. Un secret, une connerie. Non. Non. Par contre, la taille des lames, quoi. Bon, bah, du coup. Curly Bill. Ouais, alors bizarrement. Bizarrement! Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Ouais. Oh ho ho! Peter and Son! Oh. Un. Deux. Trois. 4. Ah, je recharge 2 secondes. Pause. C'est bon, on peut repartir. Though it wasn't easy as those boys had good cover. Ouh. Eh non, fallait pas bouger. Wouhou, il y a du monde là-bas. Vache. À quel moment je touche pas là? Bah tu me diras c'est un Colt, mais quand même les mecs ils ont quoi comme Wow. Ça me tient. C'est qui s'est visé hein? Ah ils sont deux maintenant. On va attendre. On met quelques cartouches. Voilà! On a fait le ménage. On peut descendre. Ils aiment bien les chiottes secs, hein. Ils aiment bien les toilettes sèches. Hein. Ils en foutent partout. Ah bah voilà! William Brosius, dit Curly Bill, est né aux alentours de 1845 et mort le 24 mars 1882. Sans doute de la main de Wyatt Earp. Vagabond, pistolero et voleur de bétail, il était membre de la bande des hors-la-loi connue sous le nom de Cowboy. Après la mort d'Old Man Clanton, il reprit les rênes de la bande par accord tacite. Il décrit comme un individu grand et trapu, c'est chiant, on arrête. Il est où? Je l'ai entendu. Je t'ai entendu. Où es-tu? Où es-tu, l'affreux? Oh non.
C'est un shield. Putain! C'est un shieldé! C'est de la triche! C'est un cowboy CRS! C'est un membre du GIGN, du Far West! C'est pas du jeu! Attends. Destruction massive! Voilà! Damn it! There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. Bam! Ah, t'aurais pu les tuer comme ça, merde, il y avait des trucs sympas. Quite an impressive operation. Boum, boum, boum! Par contre, il y avait... Mais bon, c'est fini. Oh bordel, j'aime pas ça, c'est un labyrinthe. Oh là 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 là. On va passer par là. And where was Curly Bill? Did you see him? Je l'ai vu. I'm about to get to that, Ben. Patience. Oh, il était parti. What? It was this beautiful waterfall. And a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly. Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Carabine. En vrai, la carabine, ça me dit bien. On va essayer. Quoi? Ah mais c'est un fusil en fait. C'est un double canon. On va essayer. Par là. Putain, par contre les mecs, ils devaient être encore bourrés quand ils ont fait l'escalier, je te jure. Bon bah apparemment faut aller dans le labyrinthe. Curly Bill, Johnny Ringo and his compadres took off into the lumber yard and I followed after. L'entrepôt, c'est où l'entrepôt? J'y suis pas du tout à l'entrepôt. Bonjour monsieur. Oh! Dans Ivrogne, il y a rogne. Lol. Curly Bill. Mais... Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly. J'ai pas envie de descendre de mon. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil. Ok, on passe par là. Wow. Double. Il a un double. Allez, sors de ta cachette là, le pyromancien là. Il y en a un qui me tire dans le cul. Wouah! Planque-toi! Et tu te prends la balle. Par contre, la balle qui traverse le bois sans faire d'éclat dans le bois. C'est beau. C'est magnifique. C'était gratuit, là. Ça, c'est gratos, voyez.
Faut que j'élimine les... Faut que j'élimine les bandidos qui sont avec lui, là. Sinon, ils vont me tirer dans les fesses, ça va être saoulant. On va prendre le deuxième gun. Ok, il est là-bas. Allez. Encore ? Boum ! You. Ok, il va être là. Il est où son péon ? Il est où son péon là ? Lui il est là, il va. Hop là ! Il est dur lui hein. Puis on est en mode difficile alors ça arrange rien. Mange ça. Il est là. Je suis une sulfateuse les amis. Allez vas-y sors. Sors que je t'allume. Arrête de tirer contre le bois, il t'a rien fait. Oula, oula. Wouhou. Ok, il bouge. Moi, je récupère les munitions. Il va être là. Je t'ai vu. J'ai plus de dynamite. Merde, il y en a un là. J'en ai vu un. Je l'ai vu passer. Allez, montre-toi. Il va sortir d'où ? Quel côté ? Ok. What ? Ah, les enfoirés, quoi. Oups ! Dans l'entrejambe. Désolé, monsieur. Allez, sors. Sors de là. Ah, il est revenu, Log. Ok, mais il y en a un là. J'en ai vu un là. What? Quoi? Mais d'où est-ce qu'il arrive à me tirer? What? Bon. Allez, sors. Brocious gave me no choice but to take his life. Oui, bah de toute façon, à un moment donné. Aucun signe, c'est pas grave, on l'aura une prochaine fois. You didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Ah bon? Tu crois? Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Wow. Ouh. On le fait tout de suite? Oh, Ringo. L'homme fort. L'homme d'action. L'homme à abattre. Johnny Ringo. Il a des sacrés...
Alors, est-ce que je vais l'avoir du premier coup? It's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Ouais, non, mais là, j'ai perdu. Ça y est, je l'ai eu! Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. En fait, il faut pas faire la vitesse. C'est quand ton cœur bat, quand t'as ton cœur, là, tu joues avec ta vitesse. Et on l'a eu à la loyale. 75% de focus, quasiment 30% de vitesse. Ça, c'est pas mal, hein. 54,5 tués, 39% de précision. Ouais, je m'amuse à tirer partout. Ouais. Je suis pistolet au fou, moi, je m'en fous. Fusil, tir à longue portée, ouais. Ah, la carabine, j'ai quasiment pas utilisé. C'est bien la carabine à bout portant. Pas à distance. À distance, le fusil est beaucoup mieux. Du coup, le duo... Le duo six-shot et fusil est bien plus équilibré, en fait. Ouais, mais voilà, les amis, on a tué le premier qui n'a pas aimé qu'on tue Papy, hein. Johnny Ringo est mort, avec du mal. Je suis mort 2-3 fois avant de le tuer quand même, hein, je rappelle. Heureusement qu'il y a les boucles temporelles, sinon il serait toujours en vie, le pépé, hein. Voilà. Je pense que la prochaine fois, on ira tuer son comparse, on ira le chercher. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. On va aller chercher son compagnon. Et j'espère bien qu'on l'aura aussi. Allez, des bisous à la prochaine. Ciao !